Nous nous sommes rendus compte, en tant que femme rurale, en tant que fille des mamans qui pratiquaient l'activité, on a vu que les huîtres là aujourd'hui ont tendance à disparaître. Et la mangrove est en train de mourir. C'est avec les racines de la mangrove là qu'on coupe pour avoir les huîtres. Et cette mangrove là qui nous permettait d'avoir le poisson, l'idée est venue automatiquement qu'il faut régénérer la mangrove là. On a jugé nécessaire de créer ces activités alternatives avec nos partenaires qui est l'ANA et le service des pêches et aussi les eaux et forêts dans le cadre de la régénération de la mangrove pour installer ces guirlandes de captage, avoir des huîtres en attendant que la mangrove là qu'on a plantée se régénère. On a créé la coopérative en 2013 et on a demandé à nos partenaires de moderniser l'ostréiculture. C'est ça qui nous a valu à installer ces guirlandes-là, à faire l'élevage de ces huîtres, à voir ces huîtres-là à tout moment, sans prendre une pirogue, aller en profondeur. Donc c'est pour cela aujourd'hui, les femmes, nous, vraiment, on se retrouve dans l'activité. Elles arrivent aujourd'hui à faire le blanchissement, à faire le détrocage, à faire le grossissement jusqu'à la commercialisation. Cette chaîne de valeur est maîtrisée par ces braves femmes au niveau local. Oui, tout au début, c'était difficile. Mais comme les femmes croient à cela, aujourd'hui, on fait plus de 300 femmes. Le marché de notre étude du marché, c'est sur les hôtels. Donc, toute l'étude du marché s'est faite au niveau même local, avant au niveau national. Mais la pandémie là, est venue tout chambouler. Quand ils vont vendre l'huître crue, ça cause problème à l'heure actuelle. Mais elles font que griller et vendre au passage les gens qui voudraient acheter. Oui. Donc, ça crée beaucoup d'impact avec cette pandémie. Les opportunités, c'est la formation de ces femmes. Donc, la formation sur l'hygiène, la formation en gestion, en marketing, tout ça est nécessaire.